word again? Talk. It's on him. You'll look for trouble. Let's get these pants off and fly some planes. Shall we? Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un gros blockbuster qui ouvre en grande partie la saison des blockbusters de l'année 2017. Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins. L'histoire, c'est celle de Diana Prince, qui va avoir Bruce Wayne qui va lui envoyer la photographie originale qu'on voit dans Batman vs Superman, où on la voit en compagnie de soldats français sur le front en pleine Première Guerre mondiale, et elle va nous raconter en fait d'où vient cette histoire, en partant carrément de ses origines en tant que petite fille au milieu des Amazones. Je reste hyper vague, parce que sinon ça serait trop vous en dévoiler. Encore une fois, vous voyez que c'est vide à côté de moi, mais là, je vais pas aller chercher du côté des Français, je vais carrément traverser l'Atlantique pour voir amener le Québécois Martin Régaud, un blogueur cinéma ainsi qu'un journaliste pour le web québécois. Comment vas-tu, Martin ? Salut, ça va très bien, Valentin. Merci de l'invitation. Eh ben écoute, c'est un plaisir, ça me tenait à cœur, et pour une fois que je vais chercher carrément de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même assez exceptionnel. Wonder Woman. Projet qui date de 1996 au cinéma, parce que Hollywood avait absolument envie de porter à l'écran ce personnage. On connaît pour beaucoup la série télé quasiment uniquement par le générique qui est devenu célèbre dans le monde entier. Mais le personnage, ça faisait peur au studio de l'adapter. Ça faisait vraiment peur parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pourraient en tirer et surtout comment le faire résonner par rapport à notre époque. Finalement, le film est passé entre plein de mains différentes, surtout des mains d'hommes, avant d'arriver dans les pattes de Patty Jenkins, surtout connue pour avoir réalisé le film Monster avec Charlize Theron il y a maintenant quasiment 15 ans. Et depuis, on ne savait pas quoi attendre. Et j'ai tout de suite envie de me tourner vers toi, Martin, et de te demander ce que tu as pensé rapidement de Wonder Woman. Rapidement, mes attentes n'étaient pas très hautes après avoir vu Batman, Superman et Suicide Squad. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça divertissant. C'est pas aussi lourd, pas aussi dark et noir que les films précédents. Ça fait du bien, c'est divertissant, on a de l'humour dans ce film. Donc peut-être un peu long à mon avis, là, le 2h20 c'est peut-être un peu long, la fin est très longue, c'est une longue fin qui ne se termine pas. Mais les effets spéciaux sont excellents, bon choix pour Gal Gadot. Donc en bref, je dirais que j'ai bien aimé. Je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un projet moi qui me faisait peur, pas forcément parce qu'il était motivé par des idées qui avaient vraiment mis du temps à arriver sur l'écran, mais plus parce que après Batman vs Superman et Suicide Squad, on était vraiment en droit de se demander si DC Comics allait arriver à trouver cette espèce de juste milieu entre ce qu'ils avaient envie de raconter et ce qu'ils devaient raconter, c'est-à-dire à la fois en respectant le comic book et en arrivant en même temps à conquérir les spectateurs. Finalement, Wonder Woman, c'est pas comme tout le monde le dit le meilleur blockbuster de super-héros depuis The Dark Knight. Il y en a eu d'autres qui ont été importants, mais je pense que c'est un film qui est juste dans le sens où DC Comics a enfin trouvé son équilibre entre faire un vrai film de comic book pour les fans du comic book et en même temps s'approprier le personnage pour lui donner une parabole à la fois dans notre époque et en même temps lui donner un espèce de symbole politique là où la plupart des autres films, notamment Batman vs Superman, se perdaient peut-être un petit peu là-dedans et avaient tendance à jouer sur des images qui étaient peut-être extrêmement parlantes pour ceux qui avaient envie de s'y plonger dedans. Mais finalement, pour le spectateur lambda, avait un sens qui restait extrêmement vague. Je me rappelle avoir eu des débats, mais houleux, avec des potes sur qu'est-ce que représente le cheval dans Batman vs Superman. C'est de dire à quel point, des fois, il y avait des trucs un peu bizarres. Mais là, ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose, et je trouve le choix de Patty Jenkins en tant que metteur en scène plutôt intéressant, parce que vu qu'elle avait fait que Monster avant au cinéma, et que depuis, elle s'était vraiment passionnée pour la série télé, elle a débarqué un peu sur le projet comme ça, en tâtonnant, et on sent que résultat, elle a insufflé quelque chose de particulier au film. Je ne sais pas si tu l'as ressenti pareil, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait ce regard très féminin et en même temps pas non plus ultra féministe comme certains avaient peur de le voir et avec toutes les histoires de projo où il n'y avait que des femmes qui étaient conviées, où les cinémas interdisaient les hommes. On avait vraiment peur et je trouve qu'elle n'a pas tombé là-dedans. Non, exact. Je pense que c'était bien dosé. Donc, on voit sa signature, c'est bien fait, mais on n'a pas tombé dans
un gros projet seulement féministe, c'est seulement ça le message. Il y a quand même de la place pour les autres personnages comme Chris Pine, le personnage de Chris Pine qui est très important dans le film aussi. Mais ouais. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le gros souci du long métrage, c'est qu'il se voit tout de suite. Et ça, c'est le gros défaut de la plupart des films de super-héros. Tu m'avoueras que c'est vrai qu'on n'a pas vu dernièrement de gros films de super-héros qui fassent moins de 2 heures, hormis les 4 fantastiques, non. Mais voilà. mais c'est vrai que la plupart du temps, les films veulent vraiment s'étendre. Et là, on sent la souffrance du besoin de s'étendre sur tout le film. C'est-à-dire que l'histoire est intéressante. Et je trouve que le jeu, avec la place de l'antagoniste, sans trop en dire, est plutôt bien foutu. Le souci, c'est que ça arrive avec tellement de retardement et qu'ils veulent tellement le cacher que, en fait, résultat, ça fait qu'on se retrouve avec une fin de deuxième acte et un début de troisième acte qui s'étire et qui rendent, comme tu l'as si bien dit, cette dernière demi-heure extrêmement longue. Oui, c'est comme de l'action. On a toujours l'impression que c'est la fin, mais une autre fin après la fin qui est une autre fin. C'est vraiment, ça s'étire vraiment trop. On a vraiment le film en plusieurs chapitres. C'est vraiment très divisé. Son enfance, la partie à Londres et la partie très action, très super-héros, explosion, ralenti, beaucoup, beaucoup de ralenti. Donc, il y a des parties que j'ai préférées à d'autres, c'est certain. Ouais, ça c'est sûr. Au niveau de l'écriture. Alors, donc, le scénario vient de Alan Einberg et l'histoire de base vient de Jason Fuchs, Zack Snyder et Alan Einberg. Les trois viennent d'univers terriblement différents. Les deux autres scénaristes, Jason Fuchs et Alan Einberg, ne sont pas forcément habitués au monde du super-héros, mais forcément, Zack Snyder, il a voulu faire l'interconnexion entre son BVS et Wonder Woman en se greffant un petit peu sur l'histoire. On ressent en résultat un petit peu le côté Zack Snyder, mais je trouve que contrairement, tu vois, par exemple, à Man of Steel, qui avait tendance à se noyer dans la patte Nolan, les deux autres scénaristes ne se sont pas noyés dans la patte Snyder, dans ce film. Ils ont vraiment réussi à équilibrer peut-être quelque chose de plus intéressant quant à la composition des personnages. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que la manière avec laquelle l'ensemble de l'histoire est composée fait un peu trop anecdotique par moment pour réussir à transcender vraiment le sujet de base, ou en tout cas le personnage. Oui, c'est certain, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il y a beaucoup, beaucoup de clichés, mais ça fonctionne quand même. C'est sûr qu'il y a quand même des trucs très, très légers. Là, la partie à Londres où elle est très naïve, elle ne connaît pas vraiment le vrai monde, ça devient comme un peu une comédie. Ça amène quand même une légèreté au film, mais c'est pas de la grande écriture non plus. Mais on est dans la bonne direction. C'est certain que ça amène de l'espoir pour les films suivants comme Justice League à l'automne. Ouais, il faudra voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, ils ont vraiment réussi à trouver une espèce de synthèse d'écriture qui permet d'avoir, comme tu l'as dit, voilà, cette partie très légère à Londres où il y a vraiment ce décalage presque comique où on nous montre un personnage qui est une femme forte, une femme très très forte, et qui n'aime pas justement se laisser dominer parce que, dans un sens, elle est un peu supérieure à nous tous. Et le fait qu'elle voit un groupe de personnages, enfin, je pense, tu vois, à une scène qui me restera en tête, je pense, très longtemps, parce que j'ai trouvé vraiment très très bien écrite. C'est la scène dans le bureau où on voit tous les généraux en train de discuter si on doit aller sur le front pour stopper le général, ou si on doit rester et attendre que l'armistice se signe. Et je trouve que cette séquence-là est très bien foutue parce que, sur la base, on pourrait se dire c'est hyper lourd, dans le sens où on voit des hommes discuter dans un bureau et dire non, on va rien faire, on va rester dans notre coin. Ça peut faire lourd, mais la manière avec laquelle ils ont greffé le discours de Wonder Woman là-dedans, ça fait pas grand discours où il faut réveiller les consciences, ça fait simplement une femme qui s'énerve parce qu'elle ne comprend pas pourquoi un groupe de personnages décide de rester dans leur coin. Et ça fait vraiment ressortir ce message qui pourrait être cliché, mais qui n'est pas parce que le personnage est simplement en décalage par rapport à son époque et pas en décalage par rapport à ce qui se passe à l'écran. Oui. Mais je trouve ça vraiment fort. Non, c'est une bonne scène du film, c'est certain. Mais après, pour rebondir, bon, on va pas trop en dire sur le dernier acte qui a tendance à rallonger un peu le film, mais l'idée est intéressante parce que ça joue, je sais pas comment tu l'as vu, mais moi je trouvais que ça jouait sur une forme de mystère pendant une grosse partie du film. Oui. Et sur la place d'un personnage qui est quand même assez fort et qu'on nous présente dès le début comme l'antagoniste principal, et on sait pas vraiment si c'est lui ou non, c'est plutôt intéressant. Le souci, c'est que, comme souvent chez DC Comics, ils ont besoin, dans les 30 dernières minutes, de ramener un antagoniste suprême qui permet au film d'avoir une séquence d'action ultra badass à la fin. Oui, c'est comme la recette, la formule habituelle. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas beaucoup aimé les antagonistes dans le film. Je dirais que la plupart, il manquait un peu de personnalité, il manquait quelque chose autour du personnage. C'était correct, mais c'était pas la force du film, selon moi, c'est certain. Ben, c'est clair. Mais ouais, voilà, comme tu le dis, ça marche pas parce qu'il y a encore ce souci, et moi ça m'énerve parce qu'à chaque fois ils ont des bonnes idées de base pour les antagonistes dans les films DC, mais ils n'arrivent pas à les exploiter jusqu'au bout. On avait ce problème déjà dans BVS où il y avait ce souci de qui est vraiment l'antagoniste principal du film,
qui arrivait jusqu'à cette fin où on se retrouvait avec cette espèce de méchant ultime qui était Doomsday, qui avait rien à foutre au final dans le film. On aurait pu l'enlever, le film aurait eu peut-être un peu plus d'impact. Et là, c'est pas à la même hauteur, c'est pas du même ordre, mais on a encore une fois cet énorme souci d'avoir le besoin de ramener un antagoniste suprême à l'antagoniste précédent. Oui. Comme on si... se concentre pas sur un antagoniste, c'est vraiment... Non, c'est pas... Moi, j'ai vraiment trouvé le dernier 30 minutes du film beaucoup plus faible. Et ça aurait pu être resserré, peut-être réécrit un peu, mais au final, c'est certain que le résultat est quand même bien. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même bien écrit. Et moi, je trouve ce qui marche beaucoup, c'est aussi le travail du groupe de personnages qui arrive au milieu du film avec tous ces petits, entre guillemets, parias qui viennent un petit peu des quatre, oui, coins du, des quatre coins de cette guerre. C'est... Ils sont bien amenés parce que ça aurait pu être des personnages qui auraient pu être très clichés. Et moi, je le répète, c'est un mot qui est fort parce que dans le film, on a vraiment cette sensation par moment que le film veut être cliché et ne comprend pas qu'il est cliché. Et pourtant, il y a cette justesse de composition des personnages qui les rend vraiment attachants. Et il y a la manière avec laquelle ils s'entrelacent, avec laquelle ils se rencontrent, avec laquelle ils se comprennent, avec laquelle ils évoluent les uns avec les autres. Ils apprennent presque dans un sens, parce qu'au final, le vrai message du film, c'est qu'on apprend finalement plus des autres que de sa propre vision du monde. Et je pense que c'est ça la vraie métaphore que veut tirer le long métrage à la fin. Ça peut être un peu cucu, mais voilà. Mais ça amène de jolies thématiques et... Bon, hormis peut-être la fin qui, encore une fois, me dérange parce qu'il y a encore cette idée du pouvoir de l'amour qui veut lier les personnages, mais l'idée est intéressante. On se retrouve avec le même souci que dans BVS, dans le sens où le retournement qu'il y avait dans BVS, c'était cette espèce de connexion à la limite du romantique entre Batman et Superman avec Martha qui sont les noms de leurs deux mères. Et là, c'est un peu le même ordre, mais c'est moins grossier, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est moins grossier, mais il y a ce même souci. Oui, l'histoire d'amour n'a pas tout à fait fonctionné pour moi. C'est peut-être... J'ai l'impression qu'on n'a pas vu l'histoire d'amour évoluer tant que ça pour que ça se rende à ce point-là, vraiment de l'amour entre les personnages. On dirait qu'ils ont à peine fait connaissance, ils sont déjà en amour, c'est quand même rapide. Mais... Je sais pas. Cette espèce de syndrome de Stockholm version Wonder Woman, où il y a ce besoin de tomber amoureux. Mais j'ai bien aimé les personnages de soutien, comme tu disais, entre autres la tante de Wonder Woman, la secrétaire de Steve et son groupe d'amis, les Outcasts, dont l'acteur Ewan Bremner qu'on a vu dans Trainspotting, donc c'était bien de le retrouver ici. Ouais, ah, ça c'est clair, ouais. C'est vrai que Spud, on oui. est bien content de le retrouver, bon, toujours aussi toxico, mais... Ouais, exact. Au niveau de la mise en scène, alors là c'était le gros... J'ai le cul entre deux chaises au niveau de la mise en scène. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je la trouve bien. Mais je pense qu'on va tomber d'accord là-dessus. C'est quand même cette grosse perfusion Zack Snyder, notamment avec les ralentis. Oui, il y a beaucoup, beaucoup trop de ralentis. Il faut les utiliser. Je dirais que c'est bien d'en avoir quelques-uns, mais j'ai trouvé que c'était vraiment à répétition, surtout dans la dernière partie qui est très action, effets spéciaux, explosion. Là. Beaucoup trop de ralentis. Elle est belle Wonder Woman, mais... C'est un peu exagéré. Ouais, alors je pense qu'il y a un vrai souci dans le film qui vient plus de la technique dans ce cas-là, parce que je vois dans un sens ce que veut faire Patty Jenkins. Elle veut poursuivre cette idée de distorsion complète des corps qu'avait déjà mise en place Zack Snyder dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, dans le sens où ils ont conscience que l'image numérique ne va pas retranscrire quelque chose de réaliste. Donc ils essayent de justifier ça en faisant des effets spéciaux qui sont complètement outranciers où des fois on va les voir à 10 km. Mais ils savent ça, ils en prennent conscience et ils se disent « Ok, on va éviter de faire du réaliste, on va simplement montrer le choc des corps et la distorsion de ceci par le biais de l'image numérique. » Le seul souci, c'est que dans le film, là, comme tu le dis, il y a tellement un surusage des ralentis et de l'image numérique qu'on le voit, quoi. On le voit vraiment et des fois ça nous fait sortir du film. Alors qu'on sent qu'il voudrait créer quelque chose de fort, mais les images deviennent moins impactantes que ça pourrait l'être s'ils privilégiaient plus, voilà, moins de ralentis et moins d'action, et plus de sensations et d'effets plateau, peut-être. Les scènes d'action, je dirais les scènes de combat sont quand même très, très bien faites, très bien réalisées, c'est quand même efficace, mais trop de ralentis. Ouais, trop de ralentis. Clairement trop de ralentis. Pauvre petite Jenkins, elle est tombée dans le ralenti. Mais après, un point moi que je trouve intéressant, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont évoqué, mais... Le film est très coloré, et oui. En soi, dans le monde du super-héros, ça fait du bien d'avoir un film coloré.
Oui, vraiment, les images ternes de Batman, Superman et Suicide Squad, là, j'en avais assez. Ça fait du bien de voir de la couleur. Et la première partie, son enfance, là, on est vraiment dans un monde beaucoup plus lumineux. Ça fait du bien. Ouais, alors, clairement, ça fait du bien parce que, résultat, on a un monde dans la première partie, comme tu le dis, dans le monde de son enfance, c'est supposé représenter le paradis, comme ils l'entendent. Et le fait d'avoir plein de couleurs, ça fait ressortir ce côté paradisiaque. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une très légère balance des couleurs qui arrive au moment où les soldats débarquent sur la plage, qui fait qu'on passe dans des couleurs plus ternes. Mais je suis pas sûr, ça sera à vérifier. Mais je crois qu'il y a ça et c'est plutôt intéressant parce que le résultat il joue bien. Puis quand on arrive dans Londres, c'est carrément si l'image elle est pas limite désaturée, ce qui est plutôt drôle parce que le résultat ça fait ressortir les effets comiques. Mais on sent voilà que Patty Jenkins elle a voulu respecter entre guillemets l'idée de base de Batman versus Superman et en même temps s'accaparer l'univers pour lui donner un sens beaucoup plus graphique, jouer beaucoup plus avec les couleurs qui sont à la base d'un comic books, d'avoir plein de couleurs. Et résultat, ça donne un vrai à cacher au film, malgré ce gros souci qu'on a quand même pointé du doigt, qui je trouve est important de le répéter. Elle est quand même sous grosse perfusion au Zack Snyder, et parfois ça fait que sa mise en scène est quand même bien moins équilibrée qu'elle ne pourrait l'être si elle laissait vraiment son propre esprit cinématographique emballer tout le long métrage. Oui, tu as bien raison, je pense, de ce côté. Au niveau du casting. Oui. Casting. Il ne va pas dire le contraire, il est quand même plutôt excellent. À part peut-être 2-3 fautes, il est plutôt excellent. J'ai bien aimé le casting. Entre autres, j'étais bien content de voir Robin Wright dans le rôle de sa tante au début du film. Chris Pine fait un super boulot, Gal Gadot aussi, une bonne chimie entre les deux. Donc je pense qu'il y a eu des bons choix, même dans les rôles de soutien dont on a parlé tout à l'heure aussi. Bah dans les rôles de soutien, moi ce que je retiens, c'est un petit peu pour le côté Frenchie, mais Saïd Tagmaoui, qui joue un des outcasts, il est plutôt bon. David Twellis, qui joue Sir Patrick, est vraiment excellent lui aussi. Il a quand même une sacrée gueule de cinéma, même si on le connaît tous pour avoir joué le professeur Lupin dans les Harry Potter. Il a quand même une vraie gueule de cinéma. La seule erreur de casting que je trouve un petit peu dommage, parce que finalement ils auraient pu s'en passer, c'est Danny Houston, qui joue le général allemand, qui, pour moi, est pas très bon. Mais ce qui me pose, au-delà du fait qu'il est pas très bon, un souci, c'est que bah, il a déjà été dans l'univers Marvel. Il jouait le commandant Stryker dans l'univers Marvel et je vois pas trop l'intérêt d'aller piquer des acteurs de l'univers Marvel pour les mettre dans l'univers DC, quoi. En effet. c'est un peu le souci, mais de toute façon, il y avait déjà eu ce souci à cette époque-là. Enfin, il y avait Ryan Reynolds qui jouait Green Lantern du côté de chez DC, et puis qui a aussi joué Deadpool. On a eu plein d'acteurs qui se retrouvent avec ce souci-là. Et là, je trouve que Danny Houston, ils auraient pu prendre plein d'acteurs différents. Ils auraient pu vraiment aller chercher du côté d'acteurs allemands qui sont vraiment excellents. Ou d'acteurs nordiques qui auraient pu jouer le rôle, et je comprends pas pourquoi le choix de Danny Houston. C'est peut-être mon gros reproche à faire au niveau du casting, parce que sinon, celle qu'il faut pointer du doigt quand même, c'est Gal Gadot, qui pour moi est extraordinaire. Elle est vraiment excellente, et j'espère pour elle qu'elle va pas rester enfermée dans ce rôle-là toute sa vie, parce que ça serait dommage. Parce qu'elle est très douée, et le souci c'est que... Elle campe un personnage qui est très charismatique et des fois, les acteurs qui campent des personnages hyper charismatiques comme ça, des fois, ils se retrouvent enfermés toute leur carrière dans uniquement ce rôle-là et ils n'arrivent pas à s'en détacher. J'espère pour elle que ça n'arrivera pas, mais je croise vraiment les doigts. Je croise vraiment les doigts. Et ben voilà, on en arrive à la fin. Alors Martin, si on devait retenir en très peu de mots notre avis sur Wonder Woman, tu dirais quoi? Divertissant, trop long, mais bien réussi. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de le voir sur grand écran. C'est quand même un très bon film de super-héros, mais il y en a qui crient au génie, là, un des meilleurs films de super-héros. C'est peut-être un peu exagéré, il faut un peu doser. Là. C'est peut-être pas le même. Moi, personnellement, j'ai préféré Logan sorti plus tôt cette année. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que même si Logan avait des défauts qui, par moments, étaient beaucoup plus brutaux, il avait au moins l'audace de tenter quelque chose de différent. Là où Wonder Woman s'inscrit finalement dans une continuité, et même s'il est bon, qui est divertissant, qui est rythmé malgré un deuxième, troisième acte vraiment bâtard, il y a quand même cette vraie idée de divertissement grand public qui est menée. Et moi, je ferai un petit clin d'œil à la petite gamine qui était quand même à côté de moi pendant le film, qui a surkiffé le long métrage, qui était à fond dedans du début à la fin. Elle m'a éclaté, elle devait avoir 7 ans, elle était à fond dedans, et dès qu'il y avait les petits riffs de guitare de Wonder Woman, elle était aux anges. Ça fonctionne, c'est certain. Et j'aime beaucoup la chanson de Sia, la chanson thème à la fin durant le générique. C'est vrai qu'il y a Sia qui chante à la fin du générique. To be human. C'est vrai. Ça va faire sa combienième de fois qu'elle chante là dernièrement? Parce qu'elle avait déjà. Des chansons thèmes de films, un après l'autre, c'est incroyable. Ah, c'est ça, elle en a fait pas mal. Elle a fait pour Lion.
Elle a fait. Elle a fait pour Lion, elle a fait pour Finding Dory, elle a fait pour The Neon Demon. Ouais, vraiment, c'est rendu la chanteuse pour les films maintenant. Elle aime bien les génériques de fin, Sia. Elle aime bien les génériques de fin. Et ben voilà, je vais te remercier, Martin, d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir. Valentin. Je rajouterai le lien de ta chaîne dans la description et vous pourrez cliquer également à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir son travail. Il fait des super vidéos et il en sort régulièrement, ce qui devient rare aujourd'hui sur YouTube, mais il en sort régulièrement des vidéos. Oui, donc voilà. Je te remercie encore, c'était vraiment un plaisir que tu fasses cette vidéo avec moi et c'était cool. Cool, à bientôt. Yes. Et ben voilà, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus.